Allez, salut à tous, on se retrouve ce matin pour un petit live. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, ce sera sur Battle Chaser Nightmare. Et comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis à moitié malade. Mais ça, c'est pas bien grave. Donc pourquoi je fais Battle Chaser en live? Eh bien tout simplement parce que en ce moment je manque de temps pour faire des vidéos, vous l'avez remarqué. Donc je ne fais quasiment que du live et le problème c'est que du coup ça laisse certaines séries en pause. Et je sais que vous avez envie de voir la suite, moi aussi. Donc finalement je vais les faire en live, j'essaierai de pas faire des grosses sessions. Comme ça, les rediffs seront quand même dispo sur YouTube et vous aurez les épisodes et vous pourrez voir la suite. Donc on va tout de suite se lancer. Hop, continuer, je vais juste boire un coup. Alors, ça fait un bail que j'ai pas joué. Ça fait un bail que j'ai pas joué. Il va me falloir 2 petites secondes pour me souvenir où on en est. Dans mon souvenir, il fallait que j'aille faire un. Il fallait que j'aille faire un vieux donjon. Il fallait que j'aille faire un vieux donjon et je pense que c'était celui-là. C'est aussi pour ça que ça prend un peu de temps. Tout simplement parce qu'il faut que je fasse du hors caméra et que je n'ai pas le temps. Donc là, on va le faire ensemble. On va aller refaire un donjon qu'on a déjà fait, c'est pas bien grave. Il me semble que c'était celui-là. Je suis censé charger une urne, vous vous souvenez? Mon fort. Est-ce que là-dedans on peut le voir trier par type ouais. Je suis censé avoir une urne, c'est un objet clé. Ah, je l'ai peut-être pas là-dedans. Braise, monocle, clé, réceptacle. Si c'était ça. Ouais, dans mon souvenir, c'est à Montfort que je devais le. Non, c'est pas à Montfort. Je raconte des bêtises. Je raconte des bêtises. Hop. Alors, objectif secondaire. Voilà. Le jardin écarlate était dissimulé à l'aide de pouvoirs mystérieux et pourrait contenir la clé de voûte. Plonger l'urne de sang vide dans une fontaine. De sang dans le jardin écarlate. Rapporter 3 crocs de vampires anciens et l'urne de sang remplie à la cathédrale. Donc c'est ça, il faut que j'aille au jardin écarlate, voilà. Plutôt que de raconter des bêtises. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, hein, vous m'excuserez. Du coup, le jardin écarlate, c'est le truc à droite là. Hop. Je sais plus. Je me remets un peu dans le bain. Ok. C'est bon, je suis dans le bain. Est-ce que c'est bien ça le jardin écarlate? Il y a du peuple là. Il y a du peuple. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu peux faire ça. Hop. On va commencer à tuer ça. Hop. Alors n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de ce format live pour les épisodes de Battle Chaser. Est-ce que ça vous plaît d'avoir des épisodes un petit peu plus longs? Est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que vous préférez les épisodes un peu montés, avec du hors caméra du coup pour pas voir certaines choses? N'hésitez pas à me donner vos avis. Merci Wizbot qui est à la bourre.
Cluck. Donc le jardin écarlate, c'est bien celui-là, on joue en légendaire, ouais. Depuis quand j'ai un... Je me souvenais plus avoir un message de... d'annonce juste avant. Alors, le jardin écarlate. Ce jardin était la collection personnelle d'artefacts puissants de Verus. C'est ici qu'il envoyait ses acolytes afin d'étudier et de prouver leur valeur. Ce qui veut dire qu'on devrait rester sur nos gardes. Sans aucun doute. Cette plateforme circulaire semble importante. Ces runes, vous arrivez à lire quelque chose? Oui, c'est une porte fermée à clé. Où elle mène, ça, je n'en sais rien. Et pour l'ouvrir, nous devons suivre le chemin. Oh, joie! Elle indique qu'il y a 3 leçons à apprendre, chacune représentée par une statue, sûrement gardée par quelque chose. Forcément, c'est toujours comme ça que les choses se passent. Suivre le chemin à pied, hein. Allez les enfants, petite foulée énergique. Un crâne, un livre, une épée. Eh ben, on va aller du côté de l'épée parce que... parce que... ça sent le combat. C'est joli comme quoi. Ok, il y a du peuple là aussi. Ouais, c'est bien ce que je pensais, furtif. On va essayer de garder un peu de mana pour des combats plus difficiles. Ça pique un peu, mais ça va. Gulli fait pas des masses de dégâts hein, par rapport aux deux autres. Peut-être la soigner. Ça va. J'avais peur que ce donjon soit un peu tendu, mais pour l'instant ça va, c'est soft. J'aurais aimé que tu vises l'autre. Techniquement, je peux tuer l'autre avant qu'il joue. Non, je vais faire ça. Voilà. Alors là, on a la table de craft. Là, on a la fontaine. Il y a quelqu'un. Remplir l'urne de sang. Ok. Ouais, il y a deux... Il y a deux personnes. Donc l'urne c'est fait, il faut que je ramène des crocs de vampires. Ah, mais si je voulais faire l'ancien donjon, c'est pas parce que j'avais pas tous les trucs de texte. On regardera ça juste après. Hop. Eh ben, décidément, tu fais plus trop de critiques, toi. Ouf,
Le baf. Tu vas peut-être mettre une provoque, hein. Sur une exec, tu vas jouer vachement tard en fait. On reste là-dessus. Voilà, c'est réglé. Donc, je disais là, il y a une table de craft. Aïe! Ah oui, je vérifie, hein, mais c'est les murs, faut surtout pas les toucher. Donc ici, non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il faut quoi pour les persos que j'ai? Le pavois, j'ai rien du tout. Destin et destruction, il fallait aller dans le labyrinthe. Ici, les trucs de dragon, on les a pas. Calamité, je l'ai déjà fait. C'est dommage, j'ai rien pour les persos que je joue. Ah non, là il y a quelque chose. Boire à la fontaine. Aïe, j'étais trop près. On va aller par là. Aïe. Ah, j'ai du mal, hein, à pas foncer dans les murs. Faudrait que je sois une gully. Il lui reste 3 points de vie si je vais faire ça. Voilà. Ramasser là. Ah, là il y a un passage secret, c'est ça. Hop. Un croc sanglant, c'est pas ce qu'il faut que je ramène ça pour un des trucs avec l'urne peut-être. Genre il y a rien là. Bizarre. Oh, carte au trésor. Je voulais attraper le truc là-bas. Du coup, on va se faire le mage. Je pense que le mage est beaucoup plus dangereux. Je vais utiliser un peu la charge, c'est vrai que je m'en sers pas des masses. Hop. L'idée, c'est qu'il ne joue pas tout court. Ah, dommage. Si, c'est bon. Je pensais pas que le feu le tuerait. Ah, pour mettre une provoque. Bon, je peux me permettre d'aller chercher, hop, une exec.
toi, tu peux soigner. On va quand même assurer le coup avec nos persos. On va éviter de perdre trop de vie bêtement. Tu commences à avoir mal, Gulli. Allez, achève-le. Dommage. Enfin, c'est vrai qu'ils sont blindés de PV, eux. Hop, un livre. Donc le petit truc s'est barré. Il s'est barré là-bas. Aïe. Hop, c'est bon, je l'ai. Vous découvrez une flaque de sang écarlate, un sentiment de malaise gagne votre esprit. Le sang a l'air légèrement toxique, mais vous avez l'impression qu'il pourrait dissimuler quelque chose d'important. Tendre la main. Aïe. Une pierre de sang. Aïe. Une pièce d'or. Aïe. Une bague noircie. Je suis en train de défoncer Gulli. Il n'y a plus rien dedans. J'essaie de re-soigner Gulli, hein. Ok, j'ai eu l'élémentaire tout seul. Quelque part, ça m'arrange. Compétence. Hop. Allez, meurs. Pas grave, j'ai pas soigné Gulli, je le ferai au prochain combat. Plus ça tombe bien, il y a plein de bouquins ici, et là il y en a un. Allez, sur la fange de sang, je devrais avoir le temps de la soigner. Si tu pouvais l'assommer, par contre, ça m'arrangerait. Tant pis, tant pis, tant pis, on va faire ça. Vas-y, tape les autres tant que tu veux. Voilà, elle est remontée, ça, ça fait plaisir. Et ça, c'est réglé. Chose ici. C'est le grimoire des portails du mage Dali. Apparemment, vous pourriez l'utiliser pour créer des portails temporaires permettant de voyager quelque part ou d'invoquer des objets et des choses. Cependant, le grimoire exige que le cercle de runes correspondant soit activé.
Alors. C'est le grimoire de portail du mage. Tout est resté prêt depuis sa dernière utilisation et n'avait aucune difficulté à identifier sur ces pages les runes permettant de créer des portails. Vous pouvez encore ouvrir deux portails. Que faites-vous? On va invoquer la fange rouge. Bonjour, maître. Pouf. Meurs. Je sais pas si j'avais un intérêt à tuer ce truc. Vas-y, frappe à l'human, pas de soucis. Voilà, ça c'est fait. Clé de portail couverte de fange. Ah. Là, c'est peut-être intéressant, ça. Et on va ouvrir un coffre, voilà. Hop, et on peut plus rien faire. Salut Jer. Alors ça loot, ouais, ça loot 2-3 bêtises. La tête je l'aime pas. La tête je l'aime pas. Dans mon souvenir elle fait mal. On va direct faire ça. Ok, il faut réduire le nombre. Voilà, un de moins. Faut qu'on arrive à se faire l'élémentaire avant de se faire l'âme en perdition. Qu'est-ce qu'on va faire si on va faire ça? Quand on va mettre une provoque. Est-ce que tu as de quoi l'achever? C'est bon. Ok. Là, le combat devrait passer beaucoup plus facilement. Voilà pourquoi j'aime pas le crâne. Je peux pas t'assommer pour l'instant, c'est pas grave, on va te faire une exec. Ouais, un héroïsme, ça sera pas mal. Dommage, le bouclier passe juste après. Maladie arcane, ça me dérange pas, tu peux en lancer autant que tu veux de ça. Préparer une exec, avec un peu de chance ça devrait passer. Flamme noire encore. Et malheureusement tu vas jouer juste avant. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas à moins que je fasse ça et qu'on prie pour que ça te défonce.
C'est bon. Là, il y a un livre. Ça continue par là. Oh! Waouh, c'est quoi cette bestiole? Une gargouille de pierre. On n'en a pas eu de ça encore. Ça, pas mal de vie. Pff, moins 2700. Trop la classe, le combat gargouille dragon. Ouais. Ouais, elle est violente la gargouille, hein. Je vais m'en reprendre une, moi. Hop, on prépare l'exec. Merci l'esquive de Gulli. Se remet en pierre, ça booste ses défenses. Je lui fais quasiment plus rien là. Donc, réduit tous les dégâts subis de 90% et soigne lors de l'expiration. Super. Quelque chose me dit qu'il faut que je la tue avant qu'elle rejoue. Je sais pas ce que ça faisait quand elle sortait de ce truc là, mais vaut mieux pas le savoir. Découvrez une fange dans la neige. Fange de glace. Solidification, booste tes défenses, ok, ça te sauvera pas. Quelque chose par terre? Non. Par contre, il y a plein de butins là. Ah! Courage, fuyons. Poison si touché, Zora. Ça m'arrange pas ça. Le problème c'est que je vais me faire empoisonner en boucle là. Il fait mal le poison. Qu'est-ce que l'on va faire? Ouais.
Ça pique. Ok, le poison est viré, c'est bon. Ce truc là, on va l'assommer. Toi, il faudrait que tu nous soignes, mais d'abord, hop, reprends un peu d'énergie. Toi, tu vas lui faire une exec. Toi, du coup, tu vas nous faire un tirage obscur sur tout le monde. Aïe. Bon, tue-moi ce truc. On a du stuff, tiens. Il n'y a rien derrière. Ça, on l'a déjà vu. Non, on boit pas à la fontaine. Dans mon souvenir, c'était pas bien. C'est une gargouille, ça, hein? Ça continue encore, pourtant il y a un portail de téléportation ici. Je suis curieux de savoir où nous mène le portail. Dieu, c'est quoi tout ça? Ça fait quoi si tu bois? Dans mon souvenir, j'ai déjà croisé une fontaine comme ça, et les persos avaient dit que si on commençait à boire à ce truc-là, on devenait dépendant, et c'était pas bien, et... Donc dans le doute, j'ai pas envie de commencer à boire. Ça reste une fontaine de sang, hein. Ils sont un peu beaucoup, là. L'autre là-haut, il me semble assez dangereux. En plus, j'ai aucune info sur ces monstres. Un bonus à la hâte, bah oui. Bah oui. Malus à l'attaque, bah oui. Voyons. Comment on va s'en sortir là? Ok. On va partir là-dessus. Hein. Ok, les autres risquent d'en prendre une, donc on va mettre ça. On va se garder le gros pour la fin parce qu'à mon avis c'est le plus balèze là-haut. Voilà. Comme il me le prouve bien gentiment. Hop, on va protéger tout le groupe. Au final j'ai qu'un perso qui attaque depuis tout à l'heure. Ah, je pensais l'achever. Le one shot direct quoi. T'as pas la résurrection toi par tout hasard? Ok, là y'en a un qui est mort.
Ouais, non, mais faut arrêter là, 3500 de dégâts. Qu'est-ce qu'on va faire? Il pique un peu le chevalier, ouais, juste un peu. En plus, il se booste en hâte, il met des malus d'attaque. Il met des buffs à 3500, tout va bien. Sur coup critique, il one-shot les personnages. Pas de soucis, quoi. On va se débarrasser de celui du bas. Il serait pas un peu cheaté? Non, c'est un monstre de base en plus. Hein. Ah, on le sent qu'on est dans l'avant-dernier donjon du jeu. Aïe! Hop, remonte-moi tout le monde. Ok. Ah, je me sens mieux là déjà. Il en reste plus qu'un. Je suis full vie. J'ai parlé trop vite. J'ai pas le choix, faut que je garde la provocation en boucle. Si c'est quelqu'un d'autre que Gulli qui le prend, c'est fini. Allez, à faire un étourdissement là-haut. Ah, t'es à la fin, ouais. Je suis sur le 7ème donjon, il y en a 8 dans le jeu. Qu'est-ce que l'on va faire? On va faire ça. Ok, on va lui préparer une exec, ça devrait déjà faire pas trop mal. Hop. Ça fait rien. Ah ouais, mais j'avais pas vu les malus d'attaque que j'ai. J'ai 5 malus d'attaque sur Monica. Il encaisse, hein, le chasseur de vie. Je sens que je vais en prendre une juste après. Hop. Allez, un assassinat. Mais non, c'est pas mal barré. Et attends, si tu restes assez longtemps, t'auras le droit au boss du donjon et à mon avis, il va être pas mal aussi. Hein. Le level up qui va bien. C'est bon, je suis full vie, full mana. Pervers. Est-ce qu'on va voir dans ce portail ou... Bah oui. Je me retrouve ici. Ici, il y a une salle à côté. Voilà, ça continue. Je vais d'abord finir cette salle. La gargouille avec des yeux luminescents, on le sent ou pas? Les yeux de la statue de la gargouille sont faits en émeraude. L'un d'entre eux semble pouvoir se détacher. Que voulez-vous faire? Allez, l'appât du gain. Je me serais attendu à un gros piège. Il y a une inscription sous le visage de Pierre. La pierre ne ment jamais. Le numéro 4 est griffonné en dessous. Lui montrez vos gemmes. Vous tenez vos gemmes au niveau de son visage. Elle observe l'émeraude avec nostalgie. Il y a une inscription sous le visage de Pierre. La pierre ne ment jamais. Le numéro 2 est griffonné. Vous tenez vos gemmes, mais elle ne semble pas intéressée. Ok. Ok. Il y a de l'énigme là. Hop. Donc nous on va piller les gargouilles. Hein. Voilà. Alors, 1 saphir, 4 émeraudes. Saphir, topaz.
saphir, topaz et du coup le dernier c'est l'émeraude. Donc saphir, topaz, du coup rubis, émeraude. La statue vous observe et son regard semble se radoucir et la porte s'est ouverte. La gargouille, elle bouge ou pas? Le mec qui est stressé par la moindre statue. Non. Vous cherchez la connaissance, approchez, découvrez comment eut lieu son ascension. Formidable. Une vision du commencement. Verus, un ambitieux disciple mage au sein des palais de manas occultes, acquit rapidement une puissance grandissante. Les anciens maîtres, ignorants et apeurés, avaient bien peu de choses à lui offrir. Dans le secret, Verus s'initia aux arts interdits. Il anéantit ses maîtres et s'empara des réserves de mana de l'île. Une voix l'appela des profondeurs. Cadrol, le dieu du sang, séduisit Verus en lui offrant le pouvoir que lui avaient dissimulé ses maîtres. Verus résista, mais la tentation de pactiser avec le démon s'empara de lui. Vous avez été témoin et êtes maintenant prêt à... J'ai pas eu le temps de dire, mais c'est pas grave. Vous avez reçu la main de Verus. Cadrol, s'il est ici, sur l'île du Croissant, cela va compliquer les choses. Tu sais où il pourrait être, sur l'île ? Non, mais peut-être que l'une des autres statues nous offrira un indice. Dépêchons-nous de les trouver, alors. Ouais. Donc on a la main de Verus. Je crois qu'il fallait 3 trucs pour invoquer le boss. Du coup, la seule sortie, c'est le portail. Non, ça passe par ici. On peut faire de la pêche. Vous allez pas y couper là. J'ai chopé la canne à pêche légendaire. C'est pas pour zapper la pêche. Ce qui est dommage, c'est que c'est presque trop facile avec la canne et l'appât légendaire. Dit-il, alors qu'il se rate. J'aime bien quand le jeu me fait mentir. Hop, allez le dernier. Voilà, ça c'est fait. Du coup, on a laissé le portail derrière qui menait à d'autres salles, mais c'est pas grave, ça continue. Ah bah là, c'est la dernière salle de ce côté-là, donc... Ah ! Celle-là était vivante. Ok. T'es sérieux, je me chope des malus en plus dans le donjon. Non dissipable, voix de Verus, inflige des dégâts perforants à hauteur de 2% de la santé max à chaque tour. Pourquoi? C'est juste gratuit ça. Augmente la volonté de 10 pour chaque héros et augmente le maximum de mana de 100. Ça c'est gentil. Mais l'autre il est juste gratuit. Mmh.
Aïe. Ce donjon veut ma peau. Ouais, on va soigner Gulli. Peut-être pas déconner. Ouais, l'exec devrait l'achever. Oh, quoique il y a encore pas mal de vie. Alors, on va mettre un point sismique derrière. Je suis curieux de savoir combien elles ont de vie ces gargouilles. Deux chemins, ici on a quelque chose aussi. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs derrière? On va aller voir. Ah, ça y est, on a les infos de l'élémentaire de sang. On a le nombre de points de vie. On va faire ça. Je rappelle que du coup, plus on combat les ennemis, plus on remplit le Pokédex, si je puis dire, et on a les infos sur les ennemis, les attaques qu'ils lancent, leurs points de vie, etc. Hop, on va faire un petit soin de groupe. Que c'est ça? Ah! Non mais même le décor m'agresse. Bon, on va essayer de tuer la petite chauve-souris avant de prendre des baffes de l'âme en perdition. En même temps, c'est normal qu'ils veulent ta peau. T'aimerais, toi, une bande de gars débarque chez toi avec des armes pour piller ton frigo? Ouais, c'est sûr. En même temps, c'est eux qui mettent le bordel sur l'île en premier. Moi, je viens que régler le problème, hein. Est-ce qu'on se garde ça pour faire la bombe d'amour? Non, ça va peut-être pas être très rentable. Je vais faire une mort rampante. Hop. Voilà. Donc la mort rampante qui colle du poison à chaque fois que l'autre joue. Et donc de plus en plus de dégâts. Les flammes noires arrivent juste derrière, du coup il faut que tu te soignes toi. Ok, la chauve-souris c'est fait, il n'y a plus qu'à faire le gros. Voir, il prend déjà 1200 de dégâts de poison, ce qui est pas mal.
tu vas re-soigner tout le groupe. Il va lancer des flammes noires. Qu'est-ce qu'on va faire? Tac, l'exec passe. Allez, avec un peu de chance, t'y reste. Ouais. Vas-y. Voilà, tombe-moi dessus. J'adore avoir des araignées dans les jeux. Ah, ça va, la tête, on s'y fait. C'est pas la première que je rencontre, et à mon avis, pas la dernière. Mais je suis curieux de voir le boss de fin de ce donjon. À mon avis, ça peut être assez violent. Sanglant. Ouais. C'est pas ça que je dois ramener en 3 exemplaires. Rapporter 3 crocs de vampires anciens et l'urne de sang. Je sais pas si c'est les crocs sanglants du coup. Je sais même pas si j'ai des crocs de vampires anciens. Au moins avec tout ça, on pourrait se fabriquer du nouvel équipement en sortant d'ici. Ouais, allez, direct. Elle l'a même pas tué. On va regarder à combien on en est de l'exploration du donjon. 58%. Ok. Il manque les conquêtes et l'ascension de Verus. Donc ce côté-là, tout est fouillé. Tu me laisses passer par là? Wow. Donc ici, je vais reprendre le portail pour aller là-bas. Vas-y, retombe. Voilà. Il est assez grand ce donjon, mine de rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, on va faire ça.
Oh, elle va faire la mort tomber du ciel, ça, ça picote. Faut la tuer avant. Allez, tue-la. C'est bon. Faut que je fasse gaffe, mine de rien, Monica, elle a que 4400 points de vie. Hein. Ça c'est fait. Ah, il y a une goule en bas. A priori, j'ai vu une porte rouge à droite, donc on doit être vers l'une des deux, la deuxième statue peut-être, de ce que l'on doit faire comme pèlerinage. Là, on va se mettre en provoque. La goule vampire picote. Hop, on va assommer tout ça. Allez, on parie sur la chance. Ouais, c'est bon. Ça a tellement de points de vie ce truc. Et je suis qu'à la moitié. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, tu vas refaire une exec, tant pis, je vais gâcher des points de mana. Hop, provoque. Ouais, un petit... Ah, l'assaut vampirique, ça la soignera pas assez. Là, j'ai perdu 4000 points de vie. Donc... Ça m'arrangerait qu'il survive. C'est bon. Hop, soigne Gulli. Elle est morte du poison. Parfait. C'est pas par là. Là, il y a un élémentaire, on va le tuer vite fait. Puis ça reste jusqu'à la fin du donjon, en plus là, la malédiction que j'ai pris. C'est du moment où j'ai touché la statue, ça. Ce qui veut dire que si je touche la deuxième statue, c'est potentiellement pire. De toute
façon, la deuxième statue est dans cette carte. Coffre, vrai coffre ou faux coffre? Vrai. Ici, j'ai déjà ramassé. La statue, là, elle fait rien. Au moins, ça fait plaisir, il y a du loot. Là, c'est le portail d'où je suis arrivé. Là-haut, c'est le passage vers l'autre salle. Alors, je vais juste regarder. Et cette salle continue. Ok. Et a priori, l'autre salle, là-bas, c'est la troisième statue, vu qu'il y a aussi l'étoile. Alors, une gargouille. Des pierres. Et portes. Vous voyez le masque d'une femme. Sur les côtés se trouvent des lanternes. Les lanternes sont éteintes, mais un interrupteur se trouve à la base du masque. Le masque d'un homme. Le masque d'une femme. J'imagine le masque d'un homme. Si on allume les deux masques d'homme. On ouvre de ce côté. Une chaîne munie d'une poignée de la bouche de cette statue représentant une gargouille. La chaîne semble reliée à un dispositif dans les entrailles de la statue. La chaîne émet un bruit. J'imagine que maintenant il faut les deux masques de femme. C'est ce qui me semblait logique. Tu n'apprendras pas nos secrets. Ben tiens. Forcément. Hein. Moins 3600, c'est cadeau. On va essayer de faire le combat assez rapidement. Ok, ça c'est fait. Est-ce qu'on a accès à la deuxième statue ou pas? Ouais. On a accès à la deuxième statue. Il n'y a rien d'autre à ramasser dans le coin. Vous cherchez la sagesse. Approchez. Allez, on apprend sa chute. Le coup de son ordre. Les nouvelles de Verus et du mana qu'il contrôlait s'étendirent au-delà des mers, parvenant aux oreilles de rois et d'opportunistes.
Ils l'assiégèrent de toutes parts et, après de nombreuses années d'une lutte sanglante, Verus se trouva face à une défaite certaine. La voix l'appela une fois encore, et Verus accepta le pacte offert par le démon. Un pouvoir terrible, un coup terrible. Avec le don de Cadrol, Verus anéantit ses ennemis et les chassa de ses terres. Assoiffé de vengeance, il poursuivit ses ennemis par-delà les mers, faisant régner la terreur sur les royaumes de l'Est pendant des siècles. Alors, on est prêt pour sa bénédiction, on a reçu la couronne de Verus. Conclure un pacte avec un dieu du sang, seul Verus en aurait l'audace. Quel était le pacte? Verus obtint le pouvoir de se venger de ses ennemis, devenant peut-être invincible pendant un certain temps. Ensuite, il devrait retourner auprès de Cadrol et lui céder son enveloppe charnelle pour toujours. Comment peut-on savoir si ça n'est pas déjà arrivé? Parce que nous sommes encore en vie. Nous devons continuer à explorer les jardins. Le mec ultra optimiste, quoi. Donc il nous manque l'ascension de Verus, qui est deux salles plus loin. Du coup, ça m'embête, j'ai laissé des petites salles à l'entrée du donjon. C'est pas grave, il y a un téléporteur plus loin. Et oups, c'est pas là. Ça continue par là. Mais oui, mais je veux fouiller cette... Ah, il faut que je fasse gaffe à l'œil. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Ah! D'accord, je vais arrêter de me moquer de toi. Aïe! Oui, bah ça va, c'est bon, j'ai compris. Aïe, 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 aïe. Mais c'est bon. Oh! Cadeau, avant même d'avoir le droit de jouer. On va se venger, on va tuer l'assassin. Voilà, ça c'est fait. Bon, encore là, ça va, c'est ni un gros squelette de malade, ni un crâne volant qui me défonce. Donc eux encore, ça va, c'est soft, c'est léger, c'est facile. Même se payer le luxe de finir le combat en étant bien niveau PV. Oh, un anneau épique, sympa. Alors, ici on a une fontaine de vis qui nous permet de mettre l'enchantement touché de la nature. Lorsqu'il lance une attaque, à 10% de chance de lancer des soins. C'est pas dégueu. Ou régénération, soigne de 15 par tour. Eh ben, direct. Gulli, t'as pas d'enchant. Voilà. Et le toucher de la nature, bah Gulli. Il me semble que les autres n'ont pas d'enchantement non plus, donc hop. Techniquement, je pourrais améliorer l'enchantement. C'est vrai que ça serait peut-être pas mal. Parce que 46, c'est pas beaucoup de soins. Si j'améliore l'enchantement, par curiosité, je passe à 61 en épique. Ouais, c'est pas énorme.
Là, il y a un élémentaire. Là, il y a une gargouille. Oh. Il y a un gros. Il y a un gros. Voilà, il y a 2 secondes, je disais que c'était trop facile. Le jeu m'a écouté. Alors, tiens, cadeau puni. Compétence provoque. C'est quoi, toi, ta charge niveau 3? Destin funeste. Destin funeste sur une cible, ça pourrait être intéressant de balancer ça sur elle. Ouais, tu vas carrément faire ça. Allez, dans 4 tours, t'en prends une dans la tête, toi, là-haut. Mais nous, il faut que d'ici 4 tours, on survive aussi. Allez, fleur de mort. Qu'est-ce que t'as comme truc intéressant? Dévastation. Tu vas faire une hâte. Et bim, 3500. 3400, pardon. Et bim, 1600 de plus. Gulli, mi-PV, direct. Qu'est-ce que tu vas faire, Red Monica? Tu vas continuer de leur mettre des malus. Fleur de mort, c'est vachement balèze. Toi, tu vas soigner Gulli. Il y a tellement d'icônes que du coup, il considère que j'ai la manette dessus, donc il me mêle tout le type en permanence. Toi, tu vas nous soigner. Ok, attaque le mage. Il n'y a plus la provoque, on va la relancer. Toi, tu vas me refaire ça. Vas-y, booste-toi en hâte, là-haut, il n'y a pas de souci. N'oublie pas qu'après 4 tours de jeu, tu prends la malédiction. Un de moins. Et oui, parce que du coup, main de Vérus, ça gelé. Et oui, voix de Vérus, maintenant j'ai 2 stacks. Donc je perds 4% de ma santé max par tour. Mais j'ai la couronne de Vérus qui restaure 5% de ma santé maximum par attaque. Mince, il n'y a plus la provocation. Ouh, ça va faire mal, ça. Il fait surtout une élimination des faibles, donc s'il vise pas la bonne personne, c'est plié. Ça va. Il aurait pu tuer Monica. Voilà, le destin funeste qui a fait effet. J'aime bien le destin funeste. Ça veut dire que je vais devoir faire le combat de boss avec les malus que me filent les statues, en plus de leur bonus. Super. Oh, de la pêche. Ça va faire une petite pause. Allez. Ah, remonte.
soit aussi revenu. Ah. Le poisson rebelle. Laisse-toi capturer. Voilà, merci. Donc je rappelle que les morceaux de poisson, je peux aller les échanger à un personnage pour avoir des pièces pour acheter chez le collectionneur. J'aimerais bien réussir à acheter tous les costumes secondaires avant de finir le jeu. Ça va peut-être me demander un peu de farm par contre. Ok, donc ici, là-bas, il y a un gros coffre. Le coffre piégé. Je m'attendais bien à ce qu'il y en ait une de vivante. Ça a 8800 points de vie. Ok. Est-ce qu'on se la joue destin funeste sur elle aussi? Non, je pense pas que ça ait un intérêt. On va se la jouer assassinat. Au final, les gargouilles sont moins dangereuses que les gros squelettes. Ouais, elles font un peu mal, mais... Si Gulli encaisse, c'est rien. Surtout que derrière, j'ai Alumon qui peut la remonter facilement en vie. Il fait quand même des sons à 5000 Alumon. Alors le coffre, tu cachais quoi? Ouais. Pas grand chose. Ici aussi, il y a un œil mortel. Aïe. Ah ouais, mais c'est chaud de juger si je touche les épines ou pas, hein, parce qu'il y a des moments j'ai pas l'impression et pourtant je prends des dégâts. Là j'avais pas l'impression. En plus avec l'autre qui veut ma mort dès que je passe là. C'est bon, j'ai eu tout ce qu'il y avait à prendre ici. Eh ben, je suis bien obligé de traverser. Donc c'est ici qu'il y a la dernière étoile. D'ailleurs, on a débloqué une nouvelle histoire, il me semble. Tome de fusion runique. Cet ouvrage décrit diverses méthodes permettant de piéger et de lier les âmes dans l'au-delà. Un outil de recherche très utile pour les nécromanciens. Je savais même pas que j'avais chopé ça.
Lac au sud, forêt au nord. Donc la carte au trésor, faudra qu'on aille voir. Ok, le réceptacle de sang, ça on est d'accord. Ce n'est pas ça, on avait ici une histoire. Une histoire, une histoire. Elles sont où les histoires? Donc, le jardin écarlate, préparatif. Voilà, on était là. Alors, une ménagerie. Une page gît à demi enfouie dans la neige, arrachée d'un grand livre. Loin au nord, nichée entre les imposants pics des montagnes de Givresang, se trouve une merveille que peu connaissent, que moins encore ont contemplée. Le jardin écarlate, un labyrinthe mortel et tortueux d'hommages sombres et un testament à la puissance de Vérus. Des terrasses ornées de sculptures décoratives s'élèvent au-dessus d'un dédale de haies complexes et tournoyants. Des statues et des œuvres d'art sont autant de trophées des conquêtes de Vérus. Pendant son règne, le jardin écarlate servit non seulement de ménagerie d'artefacts sombres, mais aussi de lieu d'étude pour les acolytes de Vérus qui, lors de leur apprentissage, accomplissaient des pèlerinages sur les chemins de montagnes glacées pour étudier dans son ombre. Le but. C'est ici que Vérus acquit d'abord ses pouvoirs les plus meurtriers, ce qui ferait de lui un commandant de bataille redouté et le conquérant de nombreux royaumes étrangers. Pendant un certain temps, il réussit. Mais bientôt, il se laissa dévorer par sa soif de conquête, attirant l'attention des plus grandes nations du monde. Si Vérus régnait sans partage sur l'île et avait bâti une formidable force militaire, il n'avait que peu de chances de résister face à la puissance des territoires unifiés et leur immense marine. Sa défense tint des années durant, mais finit par céder sous le poids implacable de l'invasion. Le déclin. Tandis que les troupes d'invasion étrangères reconquéraient l'île du Croissant et que la défaite de Vérus semblait imminente, il prit refuge dans le jardin écarlate. Il utilisa ses derniers pouvoirs pour disloquer la vallée dans laquelle se trouvait le jardin écarlate, scellant en elle ses secrets afin que seuls les individus pratiquant sa magie puissent se frayer un chemin à travers le labyrinthe. Peu après cela, cerné par ses ennemis, Vérus disparut. Son réseau de portails étranges rendait impossible toute traversée de l'endroit. Le jardin devint silencieux, disparaissant lentement sous un doux manteau de neige blanche. Le souvenir. Vérus réapparaîtrait plus tard avec une férocité soudaine, nantie d'un pouvoir que nul ne pouvait expliquer. Certains racontaient qu'il parcourait encore le jardin et qu'il amenait quelques heureux élus ici pour découvrir son don. Les détails de ce rituel ne furent jamais confirmés. Vérus repartirait à la conquête de vastes régions du monde, assoiffé de vengeance contre les territoires unifiés qui avaient anéanti ses troupes sur ses terres. Mais comme avant, son succès fut de courte durée. Son immense pouvoir s'étiola soudainement. Ses forces déclinèrent rapidement et furent anéanties. Aussi rapidement qu'il était réapparu, Vérus disparut de nouveau. Cette fois, il ne revint jamais. Ça se trouve, c'est lui le boss de fin du donjon. Ok. Hop. Pouf, touché. Allez. Ça va, j'arrive à... J'ai réussi normalement à pas mal descendre leur vie. Ouais. J'aime bien cette petite compétence d'Alumon. Ça permet de faire des combats un peu moins balèzes. Hop, assomme-moi tout le monde. Ok, on va se faire les deux élémentaires en premier. Tu vas peut-être mettre une provocation, toi, avant qu'il joue. Studio, on devrait pouvoir l'achever assez vite. Toi, tu veux utiliser ça là. Ok, un de moins. Fais un assaut vampirique, ça fera coup double. Oula, oula, oula.
Tu vas peut-être refaire un assaut empirique. Il n'y a plus de... Zut, il n'y a plus de provocation. Ok, toi tu vas préparer une exécution. Toi tu vas te mettre en défense. Ouais, mais forcément, t'allais y passer. Allez, hop. Allez, ramène-la à la vie. On va y aller à l'assassinat. On va essayer de tuer la goule assez vite. Que je rappelle que la résurrection d'Alumon, elle met un malus aussi, on va perdre des points de vie sur Gulli. Je te laisse, je vais Mia, mais bien bon appétit Jer, peut-être à tout à l'heure si tu repasses. Ouais, tu vas relancer une provocation. C'est ça, je vais en prendre une dans pas longtemps sur Gulli. Ok, ça c'est fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire sur Gulli? Il faut le tuer ce truc. J'ai l'impression qu'elle est plus balèze que les autres que l'on a déjà affrontés. Ça, ça le tuera normalement. Et oui, malheureusement. Malheureusement, Gulli est morte. Ah non, il a pas attaqué. Ça va. Ok, la téléportation est activée. Ça veut potentiellement dire qu'il n'y a plus d'ennemis dans le coin. Si la téléportation est activée, on va revenir au début du donjon parce que j'ai laissé des salles. J'ai laissé deux petites salles, sachant qu'ici c'est la dernière étoile, donc c'est la dernière statue, et après je peux achever le... Enfin, je peux achever... Je peux essayer de combattre le boss de fin. Hop, non, on peut pas parler à la tête. Il n'y a rien de caché ici. Bon. Bon, bon, bon. Donc il reste que la statue pour aller se faire le boss. Ouais, hop. Voilà, on va faire ça, hein. Ok, dans le doute, je vais essayer d'aller... Je vais essayer d'aller là-bas. C'est ça, à mon avis, c'est les salles... c'est les seules salles qui restent. Le donjon a déjà été pas mal long, mine de rien. Thank you.
Ça serait bien que pour le boss de fin, j'ai la charge. Au cas où. Hop, elle n'aura pas le temps de jouer. Ouais, je vais essayer de garder la charge pour le boss de fin. On va voir, s'il reste quelques ennemis, je pourrais éventuellement la claquer. Elle sera rechargée d'ici là, mais s'il en reste pas des masses. Je ramasse tout ça, ça devrait nous permettre de nous faire un peu d'équipement avant le prochain donjon. Ça fera du bien, mine de rien. Hop, il y a une gargouille encore vivante là. Donc les gargouilles, on a dit que c'était pas très dangereux. On va se mettre en provocation directe. Toi, tu vas faire un assassinat. Allez, ce sera la dernière charge que j'utilise avant le boss. Ok, 2005 à tomber encore. Ah, les gargouilles, on a pris le coup, ça va. Ça. Toi, tu vas nous soigner tout le monde. Bon, là, on est bien. Il n'y a pas trop de soucis. Ah, j'allais dire peut-être un level up avant le boss, mais ça j'y crois pas. J'y crois pas trop, il me manque encore trop d'XP. Peut-être après le boss par contre. Il reste des monstres dans cette salle encore. Ça va, là, ça doit être les deux monstres les plus faibles du donjon. Non, 65. Talent débloqué, patrouille des neiges. On a dû tuer suffisamment d'ennemis, peut-être du jardin écarlate. Voilà, ça c'est fait. Il n'y a plus d'ennemis ici. Ah si, il en restait un camouflé. Ok, donc quand ils sont camouflés, c'est plus indiqué sur le plan. Oui, ça serait trop facile sinon.
La furtivité marche pas avec Monica. Hop. Voilà. Ah parfait, on a complété le pacte. On va tout de suite regarder. C'était pas cette touche là. Hop, touk touk touk, il est où le pacte? C'est ça, à Montfort il m'en manquait, donc faudra que je le fasse. J'ai trouvé le jardin écarlate. S'il m'avait laissé entrer un autre jour, la faim m'aurait peut-être consumé. Me faire entrer dans ce jardin était une ruse. Après avoir franchi les portes, j'ai trouvé un puits de sang, où j'ai pu boire à ma soif. Ma vision était devenue floue. Je ne m'en suis rendu compte qu'après avoir bu. Depuis combien de temps étais-je dans cet état? J'étais le dernier de mon groupe à être envoyé pour accomplir ce pèlerinage. Quelques-uns furent envoyés avant moi. Bien d'autres moururent en essayant d'utiliser les arcs en saigne Vérus. Liu commença à saigner abondamment par les yeux et s'effondra. Hanson s'étouffa en prononçant sa propre incantation. Il tomba à genoux, suffoquant. Personne ne se précipita pour l'aider. Borans, profondément concentré, explosa soudainement dans l'antichambre ouest. Ce fut à nous de nettoyer ce qu'il restait de lui. Néanmoins, je suis prêt à suivre sa voie. Une particularité de l'affaiblissement de Vérus a éveillé ma curiosité. Que vais-je trouver ici? Et que trouverai-je en rentrant si j'accomplis mon pèlerinage? Pour être honnête, je ne sais pas vraiment comment j'ai survécu aux leçons de Vérus, ni même pourquoi j'ai été choisi pour venir ici. En vérité, je ne crois qu'à moitié à ses enseignements et je me fiche de sa cause et de cette île. Ma force brute, associée à ma magie, m'a permis de dissimuler mon manque d'intérêt pour son tissage de sorts de sang à l'académie. Je ne sais pas s'il l'a ressenti. C'est possible. Néanmoins, cet homme a des goûts intéressants. Je ressens le pouvoir qu'il dissimule ici, qui résonne sous les pierres glaciales. Des histoires sont sculptées dans des bas-reliefs et des plaques disséminées dans le jardin écarlate. Elles indiquent assez succinctement où il est né et comment il est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. Un message répété semble être adressé à ses acolytes. Même dans l'échec, vous resterez utile à cet endroit, immortalisé. Je ne suis pas franchement impatient d'apprendre ce que cela signifie. Ici, la pierre est vivante. Des gargouilles se dressent au sommet des colonnes portant des noms qui me sont devenus familiers à force de les lire. Ce sont ceux d'anciens acolytes. Si je ne connais certains noms que dans les écrits, j'ai vu d'autres acolytes de mes propres yeux, il y a de cela quelques mois. J'ai touché une des plaques, prononcé le nom de l'homme, et la gargouille qui se dressait au-dessus de moi est revenue à la vie. Je n'avais encore jamais utilisé de magie pendant un combat. L'affrontement qui s'est ensuivi était donc inélégant. J'ai survécu, épuisant mes capacités. Ça m'a valu un bras cassé et le visage ensanglanté. En me relevant, je me suis appuyé contre le pilier sur lequel se dressait auparavant la gargouille et j'ai remarqué que la plaque avait changé. Le nom inscrit dessus était le mien. Les statues, voilà pourquoi je suis ici. Elles me regardent lorsque je passe devant elles sans tourner la tête. À chaque statue, je sens une vision me traverser l'esprit. Vérus qui devient plus puissant, Vérus terrassé par ses ennemis, Vérus se tenant devant un puissant démon. Une question semblait m'être posée, quelque part dans mon subconscient, comme une épreuve. Les statues ressentent mon mépris pour Vérus, pour ses pratiques, pour ce lieu. À chaque statue, j'ai l'impression de me déplacer plus lentement, comme si je me transformais en pierre. Chaque mouvement me demande un effort. Je me suis assis pour écrire cette entrée, m'appuyant sur un bloc de marbre froid. Je vois maintenant que mon errance m'a ramené à cette colonne sur laquelle figure mon nom. Écrire chacune de ces lettres devient de plus en plus difficile à mesure que mes membres cessent de répondre. Mais je n'ai pas froid, je suis juste en train de me transformer. Soit j'ai mal compris l'intention des statues, soit elles ressentaient mon appréhension. Dans tous les cas, j'ai échoué. Je suppose que c'est ainsi que je continuerai à servir, immortalisé. Je m'excuse auprès de celui qui me rencontrera la prochaine fois. C'est vachement glauque comme truc. Et là, il n'y a rien.
Donc il reste une petite salle a priori. C'est cool parce qu'il reste sûrement l'une des seules salles où il y a la carte du donjon et que je fais en dernier. On peut pêcher. Allez, viens, hop. Oh, un roi des eaux. J'aime bien la pêche au milieu des donjons, ça. On va dire ça détend un peu avant de renchaîner sur plein de combats. Hop, le dernier, allez. Allez, viens. Voilà. Ok. Onze%. Ah, il y avait une autre salle. Là, les portes sont fermées. Il y a des leviers. Ok. Du coup, s'il y a une autre salle, hop, je peux me permettre de lancer une charge. Parfait. Est-ce qu'on a le temps de tuer l'autre avant qu'il rejoue? Non. Embraser si touché. Bon, c'est pas grave. Voilà. Du coup, le level up avant le boss est envisageable, on va dire. Hop, ouais, du coup ici c'est fermé. Tout cas, on va ressortir assez riche et plein de combos. Faut que tu l'araignée, je pense d'abord. Non, les petites, elles font pas la mort tombée du ciel, donc c'est bon. C'est les grosses. Les petites, elles font juste des coups de patte, ça va, rien de méchant. Hop, et ça c'est fait. Ici, parfait, on peut rouvrir. Et
Et ici, c'est bien la dernière salle découverte du donjon, 100%. Attention à l'œil qui va me shoot. Aïe, non, ça va. La carte du donjon, merci, très utile. Petite fange. Il faut que ma charge remonte niveau 3 avant le boss. Hein. Et si je pouvais rencontrer que des ennemis comme ça jusqu'au boss, ça m'arrangerait. Des petits trucs faciles à tuer. L'avantage c'est qu'il y a un téléporteur dans cette salle. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Fichu poison. Alors, lorsque vous vous approchez de ce visage, une voix résonne dans votre tête. Vous avez l'impression de l'entendre dans les moindres recoins de votre esprit. Les souvenirs s'estompent, rien ne reste. Le temps efface tout. Dis-moi ce nom dont je ne parviens à me souvenir. Que répondez-vous, Éléonore ? Vous ressentez l'indifférence du visage. D'accord, donc je sais pas ce qu'il faut répondre. Aïe, 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 aïe. Ok, 3, mais ça va, il y en a 2 faiblards. On va se dépêcher de tuer. On peut même se permettre de gâcher du mana. De toute façon, avant le boss, il y a toujours la petite pierre pour se remettre bien. Ok, tu vas remonter Gulli quand même. Voilà, ça c'est fait, il en reste plus qu'un. Ah, il peut faire mal quand même l'élémentaire de glace, voilà, il nous le prouve. Mais ça va, on craint pas grand chose. Hop, avec tout ça, il devrait mourir. Ouf. Ah, Monica, elle a tellement pas de points de vie que dès qu'une attaque la touche... Elle manque mourir. A priori, il m'indique qu'il n'y a plus d'ennemis ici. Du coup, je ne connais pas le nom de ce personnage. Et donc, j'ai laissé un coffre.
Et à d'autres endroits, j'ai laissé des coffres en fait. Oh, c'est bizarre ça. J'ai pas souvenir d'avoir laissé. J'avais pas souvenir d'avoir laissé un coffre dans certaines salles. Ici, a priori, j'ai laissé un événement. Qu'est-ce que j'ai pu laisser? Ah bah non, je l'ai fait l'événement. Ouais, c'est bizarre en fait qu'ils me disent que je laisse quelque chose. Ouais. Alors, je pense avoir quand même bien fouillé. Tant pis, on va aller voir, allez. On boit à la fontaine pour essayer. Ronce sanglante. Vous avez déjà l'offrande de sang. J'ai essayé, hein, c'est pour voir. Nous, on va reprendre la téléportation et aller chercher la dernière statue, du coup. Et après, on pourra faire le boss. Première fois que je passe une statue d'œil si facilement, j'ai envie de dire. Je bois. Ah, j'ai déjà. Aïe, 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 aïe. Pas de soucis. Ça passe. Hop, ici c'est ouvert. Dernière statue. Donc on cherche le pouvoir et on va découvrir son retour. Le sang de ses ennemis nourrit la puissance de Verus. Ses armées devinrent plus fortes grâce aux morts gisant à ses pieds. Il partagea avec eux le don de ses drôles. Ils se dressèrent sous la forme de vampires, fidèles à Verus jusque dans la mort. À mesure que les crépuscules passaient, Verus devint une réincarnation du dieu du sang. Le démon patienta. Leur pacte serait bientôt conclu. Alors, on reçoit sa bénédiction. Les ailes de Verus. Des vampires ? Oui, Verus est devenu le premier vampire. C'est son pacte avec Cédrol qui a donné naissance à ces créatures abjectes. Dans le cadre de leur pacte et pour préserver son immortalité, Verus devait boire le sang de ses ennemis. Un hommage au dieu du sang. Ses ennemis renaissaient sous la forme de fidèles serviteurs, et ainsi son armée devenait plus puissante à chaque ennemi tué, tout comme le pouvoir de Cédrol. Alors, pourquoi est-il toujours emprisonné? Qu'est devenu le pacte? Verus a brisé le pacte. Il a trahi le démon et n'est jamais revenu. Je suis sûr que Cédrol a apprécié la plaisanterie.
Verus a été maudit par le démon, mais il est encore en vie, ça c'est certain. Toutefois, son pouvoir s'est affaibli et son immortalité, peut-être également. C'est pour cela que nous devons le trouver rapidement et l'anéantir. Cette fois, pour de bon. Tu crois vraiment que la prison de Cédrol se trouve sur cette île? Oui, et je crois que Destra l'a déjà trouvée. Nous le saurons bien assez tôt. Venez, retournons à l'entrée. Allez, fais péter le boss de fin. Augmente la hâte de 10%. Ok, par contre, on a 4 stacks de la voix de Verus. Ah non, c'est juste que j'ai bu le... j'ai bu le truc. Donc, assombrissement du sang. Mais sinon, ouais, on perd 6% de notre santé max par tour. Youhou! Je sens que le combat contre le boss de fin va être marrant. Regardez, le chemin est ouvert. Nous nous rapprochons de Destra. Bzzt. Ok. Donc le boss est pas loin. Oh, t'es joli toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous arrivez trop tard. Verus reviendra. Destra accomplira ses desseins grâce à votre aide. Menteur, jamais nous n'aurions aidé Destra. Cela est sans importance, vous mourrez dans cet endroit, c'est écrit. Le visionnaire, 14 680 points de vie. Ok, direct, provoque. Direct, destin funeste. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Source de puissance. Boost attaque. Ok. Hop. On se met à protéger l'équipe parce qu'on sait pas ce qui va nous arriver sur la tête. Lance. Point d'interrogation. Héroïsme. Exec. On est plus ou moins prêt pour ce qui va nous tomber dessus. Aïe! On n'était pas prêt. 77 points de vie, Monica. C'était joli. Une source de puissance, et normalement la prochaine fois qu'il joue, c'est la quatrième. Donc le destin funeste pète, remet une garde. Non, donc c'est la prochaine fois qu'il joue. On en reprend une là. Faut qu'il meure avant. Tant pis, le destin funeste aura pas le temps de péter, mais faut qu'il meure là. C'est hors de question que je prenne une nouvelle baffe. Alors, presque déçu, quoi. Le boss de fin était plus facile que les monstres du donjon. Les visionnaires sont des êtres dangereux.
Chacun de leurs orbes contient des centaines, ou même des milliers d'événements survenus tout au long de l'histoire. Ils peuvent également manipuler la vue, et ils affectent la manière dont chacun de nous perçoit le monde qui l'entoure. Je soupçonne Destra d'avoir utilisé celui-ci à de telles fins. Je vous suggère de détourner le regard. Attends, qu'est-ce que vous... Ah ! Oui, ô Seigneur, l'heure est venue. Je vais te livrer le traître Verus. Allumeur. Destra veut livrer Verus à ses drôles, pour lui permettre d'accomplir son pacte et de prendre possession de l'enveloppe charnelle de Verus. Ses drôles seraient alors libérés de sa geôle, et son pouvoir serait illimité. Vous avez dit que Destra était l'une des plus loyales disciples de Verus. Pourquoi le trahirait-elle? Pour le pouvoir, la gloire. Elle a sûrement cédé à son impatience en voyant Verus devenir toujours plus faible. Peut-être est-elle prête à servir un nouveau maître, plus dangereux encore. Malgré tout... Quoi? Ce visionnaire. Je pense qu'il utilisait son pouvoir pour occulter la réalité. Je pouvais... ou je le sentais. Son regard était porté sur ses drôles. Ce qui veut dire que Destra lui cache quelque chose. Où sont-ils maintenant? Dans les gouffres de Mana, à l'ouest d'ici, dans la prison du démon. Destra s'est certainement servi de la magie du visionnaire pour soustraire l'entrée à notre regard. Dans ce cas, l'entrée n'est plus dissimulée maintenant. Allons-y. Ok. Et ça, c'est fait. On va retourner au téléporteur quand même. Et on va ouvrir le coffre aussi. C'est vrai que j'y pensais plus, mais on a un coffre de butant. On va regarder ce qu'on a eu. Peu, hop, juste retourner au téléporteur pour pouvoir rentrer en ville. Il faut qu'on aille du coup au Rift de Mana à l'ouest. On fera pas ça aujourd'hui. Hein. Faire un petit check inventaire, on va regarder le coffre, on va retourner en ville, puis je pense qu'on arrêtera là pour aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne Battle Chaser. Et puis histoire que les rediffs soient pas trop longues à regarder non plus. Hop. Strobostation de Malamor. Touk. Alors... fais voir le coffre, qu'est-ce qu'on a obtenu? Où qu'il est le coffre? Là. Ouais, une bague. Pourquoi pas. Ici au niveau des boucliers, bon, il n'y a rien d'intéressant. Là, les équipements, non plus. Là éventuellement on a le croc sanglant qui a l'air pas mal. Dégâts bonus, endurance, esquive, ça pour Red Monica c'est génial en fait. Là on a de l'endurance def. On a du dégâts bonus brut. Et là on a de l'endurance et de la défense magique, ok. Hop, un petit tome de connaissances pour Alumen. Un petit tome de connaissances, hop, pour Gulli, cadeau. Tous les compos. Il y a peut-être moyen du coup qu'on se fabrique des armures pour
pour nos persos, pour ceux qui en ont pas encore. Hop. Je suis en train d'enlever tous les points d'exclamation. Il faudrait qu'on s'occupe. On va aller donner les morceaux de poisson d'abord. On va aller donner les morceaux de poisson. Donc, c'était là-bas. Hop. Peut-être que les pièces nous permettront d'acheter quelque chose d'intéressant. Je vais pas faire la pêche. Oh oui, le soleil et le sable. 48 pièces. Ah, ça paye. Bien fait de pêcher, moi, dans le donjon. Hop, on retourne prendre le téléporteur. Et on va faire un petit check équipement. Luc, station de Malamo, s'il vous plaît. Hop. On peut jeter un œil déjà là-haut. Vous les avez trouvés ? Eh. Hey. 107. 107, du coup, on peut acheter un nouveau skin. Et on va acheter Gulibretto. Allez, hop. Il en reste encore 4 à acheter. D'accord. Demi-pinte ou chope ? Hop. Installez-vous. Restez assoiffé. Asseyez-vous. Oups. Restez assoiffé. Voilà à quoi ressemble Gulibretto. Ah, c'est sympa Gulibretto comme skin. Une petite. Un verre, bon voyage. Ouais, je suis toujours là. Ok, tu vends rien d'intéressant. Ouais, je suis toujours là. Du coup, les armes légendaires, on a toujours pas ce qu'il faut. Alors, ici. Toi, t'es pas dans l'équipe. Toi, t'es pas dans l'équipe. Toi, t'es dans l'équipe. Toi, t'es dans l'équipe. Et j'ai pas de lingots célestes ni de cuir. Hop, on va en faire. Salut, Hervé. Lingots célestes. Ouais. Ça faisait un moment. Ouais, ça faisait un moment que je t'avais pas vu sur les lives. Ok, donc lui, on peut lui faire son armure. On peut lui faire son armure qui est pas mal. Qui est pas mal. Hop. Tu perds un peu de dégâts bonus, mais tu gagnes de tout. Donc voilà. Il n'y a même pas à discuter. Hein. Vêtements du destin. Tu vas gagner. Tac. Ouais, pente soie du néant. Est-ce que je sais la fabriquer, la soie du néant? Ouais, on va t'en refabriquer un peu. Ok, donc on peut te faire le vêtement du destin. Hop, on peut te le faire en épique. Tu perds de l'endurance. T'auras moins de points de vie.
Quand tu gagnes max esquive. Voilà, ça c'est fait. Aiguille, l'étreinte du gardien, tu perdrais de l'esquive, tu gagnerais max PV. Mais il te faudrait du cuir. Est-ce que j'ai de quoi en fabriquer? Je peux en faire deux. C'est bon, ça passe. Tu gagnes max défense physique, max défense magique et de l'endurance. Tu perds en puissance. Ouais, mais t'es le tank en même temps. Donc on va te le faire. Voilà, j'ai un peu gâché tous mes composants pour ça. Hein. Ouais, le voilà, me reste affûté. Donc toi, équipement, ici. Ah, tu gagnes 2000 PV, c'est quand même pas mal. J'ai une arme de merde par contre sur toi, Gulli. Toi, tu vas prendre ça. Hop. Toi, pareil, tu vas prendre ça. Voilà. Il me semble que pour toi, on avait vu ici un collier. Ouais, on avait vu ce collier là. Au niveau des bagues, tu perdrais un peu en défense physique, mais tu gagnerais. Défense physique, c'est ce que tu as de plus élevé. Tu peux te permettre pour passer à 17 000 points de vie. On va être bon pour affronter le dernier donjon. Et ici, le coffre du destin. Tu pourrais perdre un peu de défense pour gagner de l'endurance et du dégât bonus. Non. Non, c'est pas forcément très intéressant. Ok, Monica, tac. Tu pourrais mettre un anneau de dégâts bonus brut. Ouais, mais tu perdrais encore de l'endurance, on peut pas se le permettre. Collier. Bien là, je te fais perdre 124. Mais tu gagnes 250 d'endurance. Ouais, on va faire ça, on va échanger les deux là, voilà. Et le croc sanglant, tu peux mettre celui-là. Voilà, 5800 points de vie, t'es déjà mieux. Toi, là, t'es bon. Ok, dégâts critiques, crit hat. Ça, dégâts bonus, endurance. Sinon, c'est ça que je lui mets. Plus de dégâts bonus, plus d'endurance, mais tu perds un peu d'esquive. Ouais, on va faire ça. Du coup, ici, je peux te remettre un truc qui a du dégâts bonus. Et de l'esquive. Tu restes à 5300, c'est pas beaucoup. Plutôt 7000, voilà. Voilà. Et les points de talent, j'ai 6 points de talent à mettre. Furtivité augmente, non, attaque surprise. Augmente de 15% la puissance d'attaque, il faut carrément que je mette des points ici. J'ai 6 points, si j'enlève, augmente les dégâts infligés par les coups critiques ici, je peux gagner ça, sinon je peux monter là. 25% de chance, non, ça c'est pas intéressant. Augmente les dégâts infligés par les coups critiques de 23%. On va faire ça. Hop, voilà. Toi, tu es à 90, tu as 8 points. Tu peux juste prendre mur d'ombre. Ici, augmente de 15% la réduction de dégâts pendant l'activation. Ouais. Augmente la puissance des soins du prochain soin de 20% par tranche de surpuissance utilisée. Ça, c'est bien. Mais il faudrait que je récupère 6 points. Assaut vampirique, à la fin du combat, augmente la... Non. Tu peux pas te le permettre. Et de ce côté, tu peux gagner quoi? Augmente la puissance d'attaque, les chances de... Oh, les chances de critique, ça peut être bien. C'est ça, on va prendre les chances de critique. Et Gulli, tu as 7 points.
10% de chance de générer de la surpuissance, réduit les dégâts des coups critiques, ça peut être bien. Commence la bataille avec un bouclier protecteur, ça peut être bien, mais il faut que je récupère 5 points. Je peux en récupérer que 4. Non, défense critique, je pense que c'est sympa. Ok. Hop, ici. Voir les marchands vendre des objets, voilà. Tac, par niveau décroissant, ouais, tu vas faire ça. Hop. Et ben voilà, on est pas mal. Au boulot. Prenez le temps. Aluman, je peux te parler? Qu'est-ce qui t'arrive, gamine? L'autre jour, quand on a combattu le visionnaire, tu m'as dit qu'ils enregistrent l'histoire, que chaque orbe contient des milliers d'événements. Est-ce que tu penses que l'un d'eux pourrait savoir ce qui est arrivé à mon père? Si ça a été enregistré, alors c'est possible. Mais ces visionnaires ne sont pas faciles à rencontrer, et ils sont dangereux, comme tu l'as vu. Et ceux qui les emploient le sont encore plus. Traiter avec de tels êtres peut te changer profondément. Est-ce que tu comprends? Je m'en moque, je veux connaître la vérité. Aluman, s'il te plaît. Très bien, d'abord occupons-nous de Verus. Lorsque nous aurons accompli notre mission ici sur l'île, je t'aiderai. Ou du moins, j'essaierai. Je t'en donne ma parole. Hop, ok. Eh ben, on a quand même bien avancé aujourd'hui. Du coup, nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser pour Battle Chaser. Je vais faire... une petite pause et on se retrouve sur Metal Gear Survive pour voir le nouveau mode de jeu. Merci à tous d'avoir suivi et à tout à l'heure. Ciao ciao.